d'opposition contre ce culte national, nous la renversons. Nous la renversons. Nous nous élevons contre toute principauté qui agit contre ce culte national. Ouvre la bouche, commence à prier en autorité. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Nous allons demander la puissance de Dieu, sa présence, sur toutes les familles qui se mobiliseront pour ce grand culte national. Demandons à Dieu de les bénir, de les exaucer, qu'il y ait un changement profond et notoire dans la vie de tous ceux qui seront connectés à ce culte national. Que la main de Dieu soit visible sur eux, que leur délivrance soit connue et visible, que Satan soit chassé de leur vie et de leur famille. Que ces œuvres soient détruites à jamais. Quiconque viendra à ce culte, qu'il reçoive son miracle et sa délivrance. Nous sommes dans la prière au nom souverain de Jésus. Prie à votre autorité. Konoramita wa anarodi asman eshuriki wa iden wa anna uteli kidos merotei koperat inarota wa anna osmer onfirida wa anna uti asma oti konoramita ndonese wa inas kubida kita anarabisto kresti. Thank you, Lord. Au nom souverain de Jésus, on a prié. Dieu mon Père et mon Jésus, nous appelons ta gloire sur le peuple qui viendra. Voulons voir ta gloire sur ton église au Cameroun et dans toutes les nations de la terre. Que tout ce qui retenait ta gloire sur nos vies, sur ton église, soit renversé. Nous accédons à la dimension glorieuse de la manifestation de ta gloire dans nos vies et dans ton église. Ouvre la bouche, commence à prier. Tu dois marcher dans cette dimension glorieuse. L'église de Dieu doit retrouver cette gloire dont son Dieu l'a reçue. Baroudi, et non, t'es moi. Itaru d'Alasma, Pirodias, man orat, wa inomeru. Père, nous appelons ta gloire dans nos vies. Nous appelons ta gloire dans nos vies. Nous avons besoin de ta gloire. Nous voyons la manifestation de ta gloire dans nos vies. Seigneur, élève ton église. Rétablis ton église dans sa gloire. Dans cette nation comme dans d'autres nations, nous voulons voir ta gloire. Voulons voir ta gloire, Jésus. Marouzias, pocket, anna ou gali moni, on brase les philosophes et d'autres. Dans le nom de Jésus de Nazareth, nous avons prié. Au nom de Jésus-Christ, on a prié. Père, nous te bénissons. Parce que tu es souverain. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit glorifié. Nous sommes bénis de savoir que tu es notre Dieu et que l'opportunité de te servir nous a été donnée. Nous recommandons toutes choses entre tes mains. Nous savons que tout se passera selon ton dessein éternel. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. 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 Que Dieu te bénisse. Asseyons un instant, s'il vous plaît, avant de partir. Nous allons donner la parole à tous nos bien-aimés qui ont voyagé de sur la diaspora, qui sont là. Chacun nous dira comment il s'appelle, ce qui l'a marqué. Ce qui l'a marqué sur nous, jusqu'au point où il quitte sa famille pour venir adorer avec nous pendant ce culte national. On veut bien, on est curieux. On veut savoir cette histoire secrète entre toi et ton Jésus. Amen. On va commencer. Commence par le moment d'abord, parce que là, c'est très sérieux.
C'est sérieux. Donne le micro. Approche-toi aussi. Amen. Shalom à tous. Amen. Je suis la chère Sephora. Donc, ce qui me marque dans ces ministères, une fois papa était à DV. Une fois papa était à DV, j'étais partie à Bruxelles, à DV. Je l'ai suivi là-bas. Normalement, on réside à Paris. Je l'ai suivi là-bas. En premier, j'avais une boule dans mon sein gauche et j'avais le gars. J'avais gardé les séquilles même à mes filles. Donc, ça faisait 6 mois que j'avais cette boule et puis je ne suis jamais allée voir pour voir si j'avais les cancers. J'avais peur. Je disais, bon, ça va rester comme ça. Donc, j'ai gardé aussi les séquilles à mes filles. Et on est parti. Quand j'ai suivi papa, les programmes papa à ADV, et c'est là que j'ai vu la boule était partie. Quand je suis rentrée à l'hôtel, j'ai vu la boule était partie. Mon premier miracle, voilà, donc la boule est partie, j'ai dit c'est bon, je rêve, c'est vraiment parti, j'avais plus de douleur, c'est parti. Et après, je commence à voir papa aussi dans après ADV, le Seigneur commence à nous parler avec mes enfants, on a institué un culte familial avec mes filles, voilà, avec mes trois filles, j'ai trois filles, mais l'autre, elle passe son master, elle est restée, elle ne pouvait pas venir à cause de des examens, donc on avait instauré un culte familial. C'est là que Dieu nous a révélé le ministère des papas aussi, beaucoup de choses. Donc il y a des choses qui sont pas secrètes quand même, c'est secret. Même les filles aussi, Dieu commencera à les utiliser puissamment. Ça nous parlait beaucoup des papas, tout ça, beaucoup de choses, beaucoup de choses. Voilà. C'est pour ça que je me suis attachée à ces ministères et que j'avais plus ces concerts, quoi. Voilà. Sana et Gabriel. Moi, ce qui m'a marqué dans ce ministère, premièrement, c'est tout simplement les prophéties que vous faites également. Pareil aussi, on est parti à ADV. La première fois, je voyais que les prophéties allaient s'enchaîner. C'était des prophéties en cascade, ils ne s'arrêtaient pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Ça continue, ça continue, ça continue, ça ne s'arrête pas. Et puis, moi-même, tout simplement, j'en sentais à chaque fois qu'il passait, je sais pas, mais je me sentais énormément touchée, très très touchée. Et je sentais qu'au fond de moi, l'Éternel, en fait, me disait tout simplement « Vas-y, ne néglige pas cet homme, ne le néglige pas, sous aucun prétexte. » Et après, ça s'est passé tout simplement dans les rêves. Je me réveillais, je disais « Maman, j'ai rêvé du prophète !» Je sais pas pourquoi je dis ça. Et en fait, c'était des confirmations sur confirmations. Et... c'est l'homme de Dieu, c'est le prophète Lécané, et puis voilà. Donc, j'ai rien d'autre à dire. Bonjour, moi je m'appelle Christelle, Christ comme Jésus-Christ. Moi ce qui m'a marqué personnellement, c'est tout le ministère, et aussi le miracle qui s'est passé dans ma famille, par rapport à l'argent ou. Bonjour à tous, bonjour papa, bonjour mon apôtre. Je suis maman Marceline et Maggie du Benelux. Je fais partie du groupe des Sentinelles. Ce qui m'a touchée dans ce ministère, c'est quand j'ai perdu mon feu papa pasteur, Adama Ouedraogo, au Luxembourg. Et alors j'ai crié à Dieu pendant des mois pour qu'il me donne un père. Et quand j'avais vu le culte national, je viens de la RDC, quand j'ai vu le culte national avec le prophète Joël Francis Tatou, que je suivais beaucoup, et j'ai eu un flash, j'étais sûre et certaine que papa, le révérend prophète Ferdinand Ekane est mon père. Et je me suis mis en prière, j'avais la conviction que ça venait de Dieu. Je me suis mis en prière pendant longtemps. Et Dieu m'a fait grâce de venir ici en,
en février, quand il y avait la guérison du fils et fille des prophètes, donc en 2023. Et j'avais un grand fardeau quand j'ai vu tout ce qui se passait dans le ministère, la parole, j'ai vu les prophéties qui s'est réalisées, j'ai suivi tout à la lettre. Des fois, j'ai visionné les cultes jusqu'à 2h du matin. Et j'avais ce fardeau, j'ai dit, mais on a besoin vraiment de la grâce que notre Père porte donc au Benelux. Et parce que nos églises sont vraiment mortes, il n'y a rien qui se passe, on dirait que le Saint-Esprit a voyagé. Alors, j'ai eu ce fardeau, je suis venu ici. Et j'ai eu la grâce, papa m'a reçu et je lui avais dit ce qui m'avait motivé de venir ici. Et papa m'a dit, il faut retourner à les prier. Je suis retournée, on a prié. Et avec ma sœur Georgette Marie, le Saint-Esprit nous a inspirés pour pouvoir donc mettre sur place donc, le groupe des Sentinelles. Et nous vous portons beaucoup, beaucoup dans la prière, nous vous aimons beaucoup. Et c'est une grâce que je sois ici aujourd'hui. C'est-à-dire que après mon passage ici au mois de février, le Seigneur nous a fait grâce. Papa est venu au mois d'octobre. On était un peu perdus parce que c'était irréaliste pour nous. On ne s'attendait pas à ce miracle, à cette grâce. Et depuis que papa est venu donc au mois d'octobre, on a suivi papa partout. Et jusqu'aujourd'hui. On s'est décidé avec nos sœurs que quel que soit l'endroit où papa ira, on le suivra. Et quand ma sœur Josie m'a dit « Est-ce que tu viens au culte national ?» J'avais envie de pleurer parce que je me disais « Comment je fais avec mon travail ? Comment est-ce que je fais ?» J'ai dit, Seigneur, je dois y aller, mais toi-même, tu vas me faire grâce. Jusqu'à la dernière minute, donc, j'étais à l'aéroport, je n'avais pas encore mon visa, j'avais fait tous les documents, j'avais fait donc les démarches. J'ai eu mon visa à l'aéroport une heure avant l'embarquement. Et j'ai dit, mes valises ici, moi, mon esprit est déjà là-bas. Mes valises, je n'allais pas retourner au Luxembourg. On doit partir au culte national. J'ai eu la grâce d'avoir un mois de congé à mon travail pendant la période scolaire parce que je travaille dans une école de la communauté française. Et j'ai dit, c'est une grâce. Donc, je suis ici pour 20 jours. Je suis arrivée. Voilà. Je dois tout prendre pour qu'on soit encore forte dans la prière, pour pouvoir tenir bon jusqu'à ce que papa revienne pour septembre, pour organiser votre venue en Belgique. J'ai connu l'homme de Dieu par mon feu père en 2019. Par mon feu père. Je me souviens, je suis arrivée en vacances au Cameroun, parce que je suis camerounaise. Je suis arrivée en vacances au Cameroun et mon père regardait beaucoup papa. Et il m'a dit, est-ce que tu connais cet homme de Dieu? Et moi, je ne le connaissais pas. Je lui ai dit, papa, je ne le connais pas. Et il m'a dit, est-ce qu'il est vraiment un homme de Dieu? Je lui ai dit, papa, j'ai eu longtemps, je suis sûre que c'est un homme de Dieu. C'est un vrai homme de Dieu. Ce qu'il est en train de dire, c'est véritablement un homme de Dieu. C'est comme ça que j'ai connu papa. Je suis retournée à Paris. Et en 2022, nous sommes venus, mon époux et moi, ici au Cameroun, par rapport au culte national qui était au Palais des Sports, je pense. Au Palais des Sports, où il y avait le prophète Tahi. Et nous étions là également. Et c'est comme ça que j'ai fait venir mon mari. Et avant de venir, j'ai fait un songe. Le Seigneur m'a montré en vision. L'homme de Dieu est venu. J'étais quelque part, peut-être dans une maison, je ne sais plus. Et l'homme de Dieu est venu. Il m'a donné beaucoup de cadeaux. Beaucoup, beaucoup de cadeaux. De plus petit au plus grand. Tellement de cadeaux.
Et les gens ont commencé à me dire, mais c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et moi, je ne comprenais pas. Je disais, mais qu'est-ce que c'est toi, c'est toi. Et puis, à un moment donné, je vois Jemima, avec qui on est en train de marcher, on se tenait. Et elle me parlait. Elle ne s'arrêtait pas. Elle me parlait. Et à un moment donné, on se retrouve, Jemima et moi, couchés dans un lit. Elle me parlait encore. Et je me suis réveillée. Le même jour, après avoir vu l'homme de Dieu, je vois l'évangéliste Makanzo également qui vient après, le prophète qui me dit, réveille ta flamme. Et c'est comme ça que je me suis réveillée. Et on est venu en 2022 pour voir notre père par rapport au culte qui s'est passé au palais des sports. Et c'est comme ça qu'après, il vient en France et nous sommes tous ensemble pour les événements qui se passent à Paris. Et j'étais triste, j'étais vraiment triste en fait. C'était une période où j'étais vraiment triste. Et par concours de circonstances, c'est vrai que j'avais entendu parler à l'époque du prophète Joël Tatou. Et par curiosité, en fait, j'ai fait des recherches et j'ai vu qu'il venait au Cameroun. Et c'est vrai que j'avais pas vraiment une culture sur l'église du Cameroun. Je savais, puis j'ai vu qu'il y avait un grand culte national et j'ai regardé les images et j'étais vraiment ébahie. Je suis aussi camerounaise. Et je me suis dit, je ne savais pas qu'au Cameroun, il y avait une grande église avec les croyants. Et puis, concernant les prophètes, où j'ai grandi, les prophètes n'avaient pas une bonne réputation. Et tout ce qui était prophète, en plus francophonie, ça ne m'intéressait pas. Donc Dieu m'a confondu. Et quand j'ai vu que j'ai commencé à regarder les cultes du prophète, et j'ai vu que chaque dimanche, il y avait des guérisons, il y avait la prophétie, moi, je croyais que c'était vraiment des événements exceptionnels. Je ne savais pas que Dieu pouvait agir encore comme ça avec puissance. Ce qui fait que j'étais tellement... je buvais en fait la parole des enseignements, c'est que, à dire que j'allais plus dans l'église, dans mon église locale et je suivais les cultes en direct. Et je me suis dit, c'est bizarre. Je me suis dit, non, c'est pas bien, j'arrête. Donc j'ai arrêté pendant un moment, mais le cœur. Et dans mon cœur, je me disais, mais Seigneur, comment je vais faire? Il faudrait qu'un jour je puisse aller au Cameroun, me rester 6 mois à apprendre avec l'homme de Dieu. Et donc il est venu aussi à Paris, c'était aussi vraiment la réponse à une prière. Et ça m'a connecté aussi avec maman Vicky, c'est aussi ma maman spirituelle. Et aussi j'avais fait un rêve où j'avais vu le prophète, et il observait et regardait ma vie. Et dans ce rêve-là, dans ce songe-là, il m'a donné un livre, il m'a dit ça c'est ta vie. Et donc je suis ici aujourd'hui, pour moi c'est comme un rêve. Et un jour, j'étais sur YouTube et je vois qu'il prophétisait sur papa lors du culte national. Donc je vois un jeune homme sur qui on prophétisait. Mais j'ai fait la conviction dessus, donc j'ai zappé. Quelques temps après, pratiquement 2 jours d'intervalle, 2 personnes qui ne se connaissaient pas m'envoient la prédication de papa sur Ketura. Et je me suis dit, ah Seigneur, 2 personnes qui me parlent en même temps sur 2 choses, sur la même chose, 2 personnes qui ne se connaissent absolument pas, c'est un signe. Donc je me suis dit, ok, je vais écouter. Donc j'ai suivi la prédication. Je me suis dit, waouh. Donc j'ai passé toute la nuit et les jours qui ont suivi à suivre toutes les prédications de papa sur YouTube. Et j'étais marquée. Et donc là, j'ai commencé à soupirer au Seigneur. J'ai dit, mais c'est ce qu'il nous faut en Europe. C'est ce qu'il nous faut en France. Et j'ai commencé à intercéder. Je pleurais au Seigneur, en fait. Donc j'ai connecté avec papa, je lui ai envoyé un message sur le numéro public, par la grâce de Dieu, il m'a répondu,
4 jours, une semaine après, je m'avais dit, est-ce que tu peux m'aider à trouver une salle? Chose que j'ai fait. On a trouvé la salle pour le mois d'octobre, qu'elle était là. Et je lui ai dit, ok, mais je viendrai en tant que ton invité. Et je suis venue en tant que son invité. Et ce que j'ai vu ce jour-là, je me suis dit, wow, Seigneur, j'ai quelque chose à y faire. Parce que quand je vois la gloire qu'il y a sur Mama et la dimension à laquelle le Seigneur l'amène, je me dis, on a besoin de la même chose en France. Et je veux y participer. Je veux me connecter à ça. Donc j'ai commencé à donner des conseils à papa. J'ai dit, voilà, ce serait bien de faire comme ça, comme ça. Il me dit, écoute ma fille, si tu donnes les conseils, va les pratiquer toi-même. Vas-y. Je lui dis, non, moi je préfère rester derrière. Les autres vont faire. Et un jour, malgré moi, il m'a dit, ok, c'est toi, tu prends l'organisation de la campagne. En fait, ce que j'aime chez papa, c'est au-delà de l'homme de Dieu qu'il est, de l'enseignement qu'il donne, la simplicité dans l'enseignement, parce qu'on comprend, on n'a pas besoin de faire l'école publique. Il parle des choses qu'on peut faire. C'est des choses simples, pratiques, et ça nous plonge vraiment dans la parole, et on est vraiment attaché à ça. En plus de ça, ce que j'aime, c'est sa simplicité. Et son amour pour les âmes, en fait, son amour pour les âmes. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai décidé de contribuer aussi à l'expansion de Rénan en Europe et partout les églises. Amen. D'accord. Maman, on a déjà demandé si quelqu'un avait une question. Vous n'avez pas levé les mains, c'est tard. Mais tant que c'est le mariage, on dit, y a-t-il quelqu'un qui s'oppose? Et s'il y a personne qui se taise à jamais, on a déjà mis les années ensemble pour prendre les questions. Mais tiens, debout, le docteur, et nous capables de clôturer pour lui. Père, merci pour ta grâce. Nous avons assisté à ce programme merveilleux. Nous avons été édifiés par le parcours, quelques moments de partage de ton serviteur. Nous voulons sortir ici étant imbibés de la grâce que tu lui as conférée, de la faveur que tu lui as faite. Et laisse que le bon parfum qu'il porte se répande sur nous, sur cette nation, sur ce programme que nous préparons avec cœur, joie. Et laisse que toutes les personnes qui sont en train de préparer les déplacements arrivent à bon port, sous la grâce et la protection au nom de Jésus-Christ. Amen. Que ton peuple retourne en paix, je déclare et je décrète que ce qui a commencé s'achèvera. Ce que Dieu a débuté, il amènera à bon terme. Amen. Que tout ce que l'ennemi a planifié sur ton chemin soit maintenant même renversé au nom de Jésus-Christ. Amen. Reçois cette grâce selon la faveur de l'ange de cette maison. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Quelqu'un dit 3 fois Amen et c'est établi. Amen. 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 Voilà, chers bien-aimés, chers Camerounais, vous êtes invités au grand culte national ce dimanche 30 juin à partir de 8h, ici même, à la Bible. Alors, on vient d'achever la première réunion participative et organisationnelle de ce grand culte national. Et dimanche, samedi prochain, nous nous retrouverons ici pour des entraînements pratiques. Nous attendons tout le Cameroun ici à la Bille du côté de Kouaban. Vous êtes au Carrefour Kouaban, demandez simplement qu'on vous amène au niveau de la base internationale REMA, la Bille. Et tout le monde connaît où nous sommes situés. Et pendant que vous venez, que la grâce de Jésus soit avec vous. Shalom, 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 bye.